Coucou tout le monde. Alors je sais pas du tout si vous allez bien m'entendre, tout simplement parce que j'ai mis le cache de ma GoPro, enfin la protection sur ma GoPro, et du coup ça cache un peu le son. Donc je suis désolée si vous n'entendez pas grand chose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout petit vlog, mais vraiment tout rikiki, pour vous donner des nouvelles de Zoro, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo avec lui. Donc comme vous pouvez le voir, Zoro va très bien. En ce moment je ne travaille pas, tout simplement parce que comme vous le savez, je ne travaille pas à Zoro en hiver. Je fais seulement un petit peu de longe de temps en temps, mais en hiver je ne le monte pas du tout. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à regarder ma vidéo organisation du travail d'Azaro, donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc en fait je voulais vous attendre pour essayer son nouveau licol. Donc vous l'avez vu là, son nouveau licol va super bien, la taille est juste nickel, ni trop grande ni trop petite. En plus le champ d'Azaro est genre barricadé, mais quand je vous dis barricadé, c'est que il y a des verrous partout, enfin c'est ignoble. Voilà. Alors du coup. Nickel chrome, mon loulou. Donc voilà, vous pouvez le voir. Nicole d'Azaro. Il va super bien. Super contente. Je suis super contente. Je vais le lâcher. Voilà mon loulou. Hop, copain avec toi. Adam, tu viens mon cas? On va voir les copains avec toi. Adam, tu viens pas avec moi? T'as décidé de rester à la porte. Parce qu'à Zoro, en fait, quand je pars du pré, il est pas content parce qu'il aimerait que je reste un peu plus longtemps avec lui. Donc à chaque fois, il reste à la porte, puis il me regarde partir avec un air un peu désespéré. Maman, je veux pas que tu partes. Voilà mon loulou. Ah bah oui, regarde, il y a les copains qui t'attendent. Donc voilà, je suis désolée, le vlog a été vraiment court, mais comme je vous l'ai dit, je ne fais strictement rien avec Azaro en ce moment, je fais uniquement des gros pinçages et des gros câlins. Et vu que mon copain finit toujours à 17h le soir et qu'à 17h il fait nuit, donc du coup quand je vais voir Azaro, je ne peux absolument pas vous filmer de quoi que ce soit, parce qu'il fait vraiment tout nuit, tout noir, et que c'est compliqué, à mon cœur, que c'est compliqué. Oh oui, l'hiver c'est toujours compliqué. Donc voilà, je comptais vraiment avoir mon permis début décembre, donc le 4, mais vu que je l'ai loupé, du coup je dois attendre un mois avant de le repasser, et ça c'est ultra gênant. C'est vraiment ultra gênant, surtout un mois. Je savais pas en fait qu'il fallait attendre un mois avant de le repasser. Du coup ça m'a bien embêtée, surtout que je l'ai loupé pour vraiment rien, vraiment pas grand chose. Je l'expliquerai dans le journal d'une cour pourquoi je l'ai loupé, mais c'était vraiment ridicule et vraiment pour rien du tout que je l'ai loupé, donc voilà. Loulou, il me fait des câlins. Donc voilà, du coup mon organisation a été toute chamboulée. Je voulais vraiment vous faire au mois de décembre, vous faire plus de vidéos avec Azaro parce que j'aurais eu mon permis. Donc voilà, mais vu que je l'ai pas, bah ça attendra le mois de janvier du coup. Loulou, ça attendra le mois de janvier. Mais bon voilà. Du coup je vous fais des petites vidéos comme ça avec lui à la volée pour vous dire qu'il va bien. Et ne vous inquiétez pas, hein, je m'occupe toujours de lui. Azaro, fais des bisous. Mais oui, je m'occupe toujours d'Azaro, c'est juste qu'en ce moment je ne peux pas vous filmer ça. Donc voilà, Azaro, tu mets pas les dents. Donc bah voilà, je voulais vous montrer comment aller le... Azaro, tu mets pas les dents. Il met pas les dents, mais j'ai peur qu'il mette les dents à chaque fois. Loulou. Donc voilà, je voulais vous montrer comment aller le licol d'Azaro, le nouveau licol. Je voulais vous attendre en fait, je voulais attendre de pouvoir filmer pour vous montrer comment aller le nouveau licol d'Azaro. Et je suis hyper satisfaite, donc comme vous l'avez vu en vidéo.
Je suis hyper satisfaite, il est vraiment chouette. La taille est juste nickel, ni trop grande ni trop petite. Et le cuir est vraiment ultra souple, donc du coup c'est top 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 top. Mon loulou, t'as plein de copains, faut que tu colles maman tout le temps. Ah puis t'es tout baveux maintenant. C'est tout baveux. Mon manteau il est tout baveux, loulou. Qu'est-ce que tu fais? Mais il m'énerve, ce poney m'énerve. Ce poney me désespère. Voilà, donc je vais partir, mon loulou il est là. Je l'ai bien pensé, je lui ai fait les pieds, tout ça. Donc voilà. On va partir ensemble du prix d'Azzaro. Évidemment Azzaro. Azzaro va me suivre, comme à son habitude. Il va m'accompagner jusqu'à la porte. Donner de dire maman ne m'abandonne pas. J'ai pas envie. Voilà, ceci est mon quotidien. Il y a des chevaux qui sont tellement contents d'aller au pré qu'ils partent en courant à chaque fois que les propriétaires les emmènent au pré. Et moi c'est l'inverse. Moi j'ai un poney qui veut rester avec moi. Qui veut plus me lâcher, qui veut plus m'abandonner. Mon loulou. Moi elle va devoir te laisser mon cœur. Un petit loup. Oui. Moi elle va devoir... Hop, voilà, mon loulou, maman est place ici. Yo. J'espère tout de même que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais de très 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 gros bisous. On se dit à très bientôt.